Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un truc assez spécial. J'avais un ami au collège que j'ai plus vu depuis des années et depuis ce jour-là, j'ai plus aucune nouvelle. Aujourd'hui, je l'ai retrouvé sur Internet, sur Instagram. On s'est donné rendez-vous pour se revoir et je vais lui faire croire que je suis handicapé en étant sur une chaise roulante. Frérot, tu peux m'envoyer la chaise roulante, s'il te plaît. Attention. Hop. Voilà. On doit se donner rendez-vous aujourd'hui. Donc, j'espère qu'il viendra si je lui donne rendez-vous et qu'il n'a pas oublié. On va aller boire un coup ensemble et je vais lui faire croire que je suis handicapé déjà de une pour voir sa réaction et pour voir ce qu'il va me dire et s'il va être choqué, etc. Mais le piège, il n'est pas là. Pour voir si c'est vraiment toujours mon ami et s'il n'a pas changé, je vais laisser dans ma voiture un portefeuille et de l'argent liquide. Je vais lui faire croire que j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture et lui demander d'aller le chercher à ma place étant donné que je suis à mobilité réduite. Je vais laisser une caméra dans la voiture pour voir ce qu'il fait dans la voiture. Je vais laisser de l'argent en évidence. On va voir s'il va être tenté de prendre l'argent, s'il va être tenté de prendre mon portefeuille en sachant que c'est un très bon ami à moi et qu'il connaît toute ma famille et que moi je connais toute la sienne. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a toujours ses valeurs et ses principes? C'est la question que je me pose et c'est pour ça qu'on va filmer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve à la fin, peut-être pour une conclusion ou pas, selon mes envies et mon humeur. Ciao. Bon les gars, j'ai donné rendez-vous ici. Donc on est dans une boulangerie avec une petite terrasse tranquille où il n'y a pas grand monde. Parce que j'ai pas envie que les gens me reconnaissent et me fassent cramer. Tu as vu, si les gens me reconnaissent, ils vont dire « Ouais, t'es en chaise roulante, machin, je fais une vidéo. » Donc du coup, je suis comme ça, je suis sur ma chaise roulante et je l'attends. Il devrait arriver d'ici 10 minutes. Donc on va l'attendre et voilà, j'ai laissé une caméra dans la voiture avec de l'argent et vous verrez que on va voir s'il prend l'argent ou pas, quoi. Tout simplement. Allez, à toutes. Anton. Oh. Ça va? Et toi? Ça va, nickel, tranquille. Alors? Ça fait plaisir toi. Bah, même moi. Ouais. Ça t'est arrivé? Eh frérot, j'ai eu des problèmes de moto. Hein. Toi? Ouais. C'est la moto qui m'a bien niqué, ouais. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, ça va? Ça va nickel, hein? Ouais, je suis devine. Tu repars pareil? Assieds-toi, assieds-toi. Ta famille, tout ça. Un truc. Tu te racontes quoi, toi? T'as rien. Mis à part ça, t'as vu... J'ai beaucoup de problèmes par rapport à ça maintenant, tu vois. Je peux plus travailler, je peux rien faire. J'ai perdu ma femme. Ah oui? Ah oui, gros. Tiens, Gadji, d'un coup, elle apprend que tu es handicapé, frère, elle ne veut plus rester avec toi, tu vois. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ah, quand même. Ah ouais, gros. Ah ouais. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. Bah parce qu'on ne s'est pas vu, gros, on s'est perdu de vue. Sur... Après, j'ai contact après. Ouais, après, je n'ai pas trop pensé. La dernière fois, j'ai vu ton profil Insta et tout. J'ai dit, ah putain, ça fait longtemps et tout. Et voilà, tu vois. Ouais, à part ça, toi, ça va? Ouais, nickel, à part que je suis choqué de te voir comme ça, mais. Ah ouais. Ça fait mal au cœur, hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, j'ai plus dégueu. Moi, les jeunes, c'est quand tu es handicapé, après, ils veulent plus rester trop avec toi. Tu peux rien faire? Ouais, je vais prendre un truc, mais je t'invite, ça me fait plaisir. Non, sérieux. Déjà, frérot, je suis assez rabaissé comme ça, tu vois ce que tu veux dire? Non, mais je sais, mais tu vois, mais pour moi. Moi, ça me fait plaisir. Je sais, frérot, je sais. Je sais, mais la prochaine fois. Tu vois? Vas-y, tu feras un. Merde, j'ai laissé mon portefeuille dans la voiture. La voiture, elle est. Tu vois, j'ai une Tesla. Ouais. Elle est juste là. Ouais. Tu la vois? Elle est où? Je te l'ouvre avec le téléphone. Vas-y. J'ai mon portefeuille au milieu. Je veux pas que ce soit toi qui paye parce que j'ai pas envie, tu vois. J'ai la voiture est juste là pour. Éviter que j'aille à. Je te l'ouvre avec le téléphone. C'est bon? C'est bon. Tiens, mince, vas-y, je te l'ouvre. Ta voiture mais pas le porte-monnaie. De quoi? J'ai trouvé ta voiture mais pas le porte-monnaie dedans. T'as pas trouvé le porte-monnaie? Il était au milieu. Je sais pas, j'ai pas vu du tout. Et t'as bien regardé dans la boîte à gants et tout? J'ai regardé. Bah après je me suis permis de fouiller, j'ai vu genre. Ouais, t'as même fait. Y'a rien? Ouais. Putain, c'est fou parce que j'étais sûr de l'avoir pris avec moi. Bah viens, c'est pas moi. J'ai pas trouvé. Non, je vais pas. Tu m'as mis frérot, on dirait que c'est exprès. Mais non, même pas, tu l'as pas mis. Non, merci, c'est bon. Frérot, merci. Tiens, mince. Bon, je vous explique les gars. Il a pris mon argent, ouais, on va pas se le cacher. Il a pris mon argent, il a pris mon portefeuille. Et là, ce qui est le pire, c'est qu'il va m'inviter à manger et à boire avec mon propre argent en faisant croire que c'est lui qui paye.
Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Je vais voir jusqu'où il va. Et on va le suivre pour voir ce qu'il fait avec ma carte bleue. Et puis après, une fois qu'on décidera de le piéger, on le piégera. On attend qu'il revienne et voilà, on va continuer de filmer en caméra cachée. Ah, merci. Alors, raconte-moi un peu les amours et tout, sans nous. Les amours, c'est un peu la... Ah ouais? On va commencer à m'acquitter. Arrête? Ouais, parce que je fais rien dans ma vie. Ah, tu travailles pas? Non, je fais pas rien. Ah ouais, ça c'est. Je fais mon travail. Je commence à parler de tout changer, mes parents, je vois. Tes parents, comment ils vont? Pourquoi? Ils m'ont renié de la famille. Mais non. Mais bon, j'essaie de les appeler, ils me répondent pas. Et ta soeur, en fait? Ma soeur, tout va bien. Ah, tu vas voir? Elle est mariée. Ah, bien. Un enfant. Mais bon. Tu l'as pas quand même, tu l'as pas? Elle va pas que je m'approche du budget. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, gros? Je suis rentré pour des choses que. Ah, tu as rentré en prison? Je savais pas! Putain, c'est la merde, ça, gros. C'est incroyable que ça se passe comme ça. C'est dommage parce que ta soeur, moi, je fais. Moi, je l'aimais bien, ta soeur. Elle sait pas. Allô? Ouais? Je suis là maintenant? Non, mais ça va. Ça va, j'ai pas trop, mais bon. Écoutez, y'a pas de soucis, je vous remercie, mais j'arrête de suite. Merci. Merci encore. Tu as bougé? Je travaille avec ma belle. Ah, tu travailles? Là, il y a travaillé avec ma belle. C'est quoi, une terrible? Même pas, j'ai déposé un CV, c'est clair. D'accord. Vas-y, hein, vas-y. T'inquiète, moi je suis à côté de la voiture, bon, à bientôt, ciao ciao. Bon, il s'est taillé, les gars. On va le suivre. Viens, on y va. Bon les gars, là on filme au téléphone portable parce que j'ai l'impression qu'il va dans les galeries de printemps pour acheter des trucs, pour faire des achats. Je pense qu'avec l'argent liquide qu'il m'a volé, je pense qu'il va s'acheter des trucs. Donc on le suit et on voit où il va et puis après dès qu'il sort du magasin, j'irai chez lui. Là faut rester là, je crois qu'on va dessus. On y va. Il rentre à la coste. Il rentre à la coste. Ben vas-y, on va rester là, on va attendre. Il commence à faire long pour. Il ne ressort pas le mec. S'il fait 100 contacts à 50, tu fais 3, ça fait déjà 150. Plus le liquide de 200, ça fait déjà du frère. Il va 150. Ah, il a vraiment un entretien d'embauche à la porte. Il m'a dit, ouais, j'ai un entretien. Ouais, attends, longtemps. Hein. Ah, il s'achète. C'est lui, tu l'as? C'est lui ou pas? Ouais, c'est lui. Bon. Ah gros! Anto! Ben je sais pas, je t'ai croisé là, je suis venu te voir en 2-2, t'as vu? Dis-moi! T'es sûr t'as pas vu mon argent et ma carte bleue? Du tout, parce que je t'ai payé à la boulangerie. Il y a les caméras dans la voiture, je sais que c'est toi qui m'as pris. Tu peux me rendre mon portefeuille au moins, s'il te plaît? T'as vu le liquide, je m'en fous, mais moi, rends mon portefeuille, s'il te plaît, y a tous mes papiers dedans. Ouais, je t'ai volé, j'ai besoin, je suis dans. C'est tout. Je suis désolé, ouais, mais. T'es dans. T'achètes du Lacoste sur mon compte? Des sous, gros, des sous. J'ai besoin de sous. J'ai besoin, c'est même pas pour moi, c'est pour mon petit. Fais voir. C'est pour mon petit. Ton petit, il fait du M? Du S. Fait du S. Tu me prends pour un con? Un peu. Gros, t'as vu, je m'en fous. Juste rends-moi mes papiers, s'il te plaît. T'as pas acheté un portefeuille Louis Vuitton, s'il te plaît. Tu me prends pas pour un con? Tu vas dégager un fauteuil roulant parce que t'es en fauteuil roulant. Ah, s'il te plaît, arrête. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je me mets derrière ta voiture. Tu pars, je me mets derrière ta voiture. Du coup, je t'écrase dans tous les cas. C'est bon, tu sens plus rien au niveau des jambes. Oh là là, c'est bon. Si j'avais mes jambes, tu ferais la même chose. Si j'avais mes jambes, hein? Si j'avais mes deux jambes, tu ferais la même chose. Tu fais exactement la même chose. Ah ouais? Par contre, tu ne vas pas plus vite parce que t'es en fauteuil roulant. Réfléchis un peu. Bon gros, je t'explique. Je suis debout, frère. Vas-y, je t'explique. Je prends pour un con, mais c'est pas qu'on touche pas. Écoute-moi. Non seulement, je suis pas handicapé. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce que tu as peur? Mais qu'est-ce que tu as? Viens, écrase-moi ta voiture, viens. Écrase-moi ta voiture, mais vas-y, casse. Tu fais semblant de casser roulant, tu fais juste ton but d'être handicapé, frère, c'est quoi? Hein, tu te manques des handicapés? Non, je m'en fais d'handicapé. C'est quoi alors? Le but? Ouais. Le but, c'est de tester ta ton amitié, de voir si t'étais quelqu'un d'honnête ou. Eh ben, je suis toujours mon ami. Je te dis quoi? Je te dis, j'étais dans la terre, j'avais besoin. D'accord, ok. Eh ben, regarde. Okay. Mais il y a un deuxième but. Aussi. Il y a un deuxième truc. C'est que depuis le début, j'ai filmé parce que je fais des vidéos sur internet, mais t'as pas l'air d'être au courant. Pas du tout. Non, t'es pas au courant? Non. Bah écoute. Tu es Anthony? Frérot. Viens, s'il te plaît, frérot.
C'est le comble pour un meilleur ami de pas savoir qui je suis. Je t'explique. Je fais des vidéos sur internet. Par contre, je vais pas, frère. Par contre, viens ici, viens, ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Mais tu lèves les mains après, tu t'en vas. Attends, Julien, écoute-moi. Frérot, ne pars pas, parce que là tu es filmé. Je t'explique. J'ai une chaîne YouTube, j'ai pratiquement 1 million d'abonnés. Si je mets la vidéo sur internet, je mets ta tête. Frérot, t'es 1 million d'abonnés, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Ah, tu t'en bats les couilles? Ouais, je m'en bats. Et si je vais voir les flics aussi, que tu rentres en prison il y a pas longtemps, tu es sûr que tu t'en bats les couilles? Tu t'en bats du placard? Ouais. Tu t'en bats les couilles? De tout ça. Alors bonne continuation. Et à bientôt. Hein? Allez, vas-y. Maintenant, ça arrache, c'est pas grave. C'est pas grave. On va récupérer le fauteuil, on se casse. C'est pas grave. Oh! Je vais l'emporter, d'accord? Vas-y, tu sais quoi? On va partir dans le monde de sentiments. Ah, mais c'est pas mon sentiment, c'est mon argent, frérot. Donc merci. Prends ton argent. Merci? Mais ça suffit pas. 200 balles. Et mon portefeuille? Ton portefeuille? T'inquiète pas, il est là. D'accord? Tu me lances? J'ai rien fait dessus. Merci. Là, je te dis juste un truc, frérot. Là, tu m'as rendu ça, tu m'as rendu mon portefeuille, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc, moi, je vais pas diffuser les images sur internet avec ta tête, je vais te flouter. Par contre, je vais diffuser les images aux flics. Et je vais donner ton identité. En montrant ce que tu as fait. Et là, je pense pas que ça soit la même histoire, pas vrai? À part, si tu viens avec nous, viens avec nous. Je te fais une petite sentence rigolote, une connerie, on la filme pour internet. Puis après, on s'arrête là et je vais pas au flic. Ouais, comme ça, je suis après chez une tune devant. T'es flouté, personne ne saura que c'est toi. Personne ne saura que c'est toi. Mais c'est soit ça, soit je vais au flic et je donne ton. Moi j'ai plus de pitié. Est-ce que tu m'as fait? J'ai plus de pitié. Tu es où? Ah, tu vois? Et voilà. Bon, voilà les amis, il fait nuit. Hein, désolé, les journées sont courtes en hiver et puis il commence à faire froid. Et du coup, vu qu'on n'est pas allé à la police, on a trouvé une petite sentence qu'on va vous montrer dans 3, 2, 1. Maintenant. Filme pas. On l'a entouré, on l'a attaché sur un truc de muscu, hein, là où on fait les pecs, mais là, monsieur ne pourra pas faire grand chose. On lui a mis du savon un peu partout sur le corps. Et la surprise, c'est celle-là. Donc ça, qu'est-ce que c'est, les amis? Ce sont des canons à confettis, d'accord? Et par exemple, si je prends le canon et que je tire... Vous êtes prêts? On va essayer de côté, je sais pas dans quel côté ça tourne. Je vous explique, j'en ai beaucoup. Donc on va passer à ça jusqu'à ce qu'il n'ait pas entièrement recouvert. Ça colle, hein? 2, 1, c'est assez haut, 2, hein, pas oublier. Tu regrettes ou pas? Tu regrettes pas? Est-ce que tu vas encore voler des handicapés, frère? Ouais. Eh ouais, mais bon, c'est pas bien de faire ça, tu sais. Moi je veux des excuses. Moi je veux des excuses. Tu sais que j'en ai fini, hein, j'en ai beaucoup. Quoi? C'est vrai? N'aie pas peur. Ça va. N'aie pas peur. Julien, je te souhaite une bonne soirée, frérot. J'espère que quelqu'un passera pour te délibérer. Pour te délibérer, non, ça c'est à la barre. Là où tu devais aller. J'espère que quelqu'un passera ici pour te libérer. Et je te souhaite bonne continuation. Tu me sers la main? Non, tu peux pas. C'est vrai. Je te laisse te débarrasser aussi. Hein. D'accord? Pardon? Non, j'accepte pas. Non, j'accepte pas. Non, tu continues, monsieur père? Tu continues? C'est bon? C'est bon? Tu parles plus? Voilà. On peut y aller. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez spéciale. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je t'invite aussi à aller voir la vidéo sur Kamoff quand tu sortiras de ce bordel. Tu tapes Kamoff, C-A-M-O-F-F. Tu sors un jour, bien entendu, mais je pense que tu vas sortir. Voilà, donc faites attention à vous, respectez les handicapés. Et si vous pouvez venir... Tu vas fermer? Si vous pouvez venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, n'hésitez pas à le faire, c'est important. Plutôt que de les voler, de profiter de leur faiblesse, ben, agissez de votre force. Pour les aider et les rendre plus forts. C'était Kamoff, à mercredi prochain 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, ciao.